Eh bien, bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bon, tutoriel, façon de parler, voilà, je vais voir, peut-être qu'une nouvelle playlist arrivera prochainement. Donc aujourd'hui, voilà, pour certains d'entre vous, voilà, vous savez bien que j'avais fait une vidéo d'ailleurs pour vous dire les vidéos Padawam sont de retour, donc les vidéos avec DG, toute la team Padawam. Et donc les vidéos qui ne sont plus disponibles sur la chaîne officielle, voilà, elles sont dans mes playlists, vous allez dans mes playlists sur YouTube. Et vous pouvez trouver toutes les vidéos manquantes. Bon, il y en a encore que je dois uploader, donc ça va arriver prochainement, ne vous inquiétez pas. Et je vous repartagerai ça. Du coup, je vous ai même partagé, donc c'est en dessous de la vidéo, des vidéos de Padawam sont de retour, les petites covers, voilà, des petites covers que j'avais fait. Bon, j'en ai que deux d'imprimés pour le moment, enfin là-bas, je vous les avais montrés dans la vidéo. Et voilà, de ça, moi, j'avais fait des petits menus DVD, voilà, personnalisés, comme... comme certains ont pu voir, voilà, les petits visuels, regardez, voilà, je vous en montre un et deux ici, voilà, genre la saison 1 de Padawam, voilà, le bon plan, voilà, un menu que je vais vous refaire plus ou moins, voilà, pour vous montrer un petit peu le programme, on va refaire ce menu-là, et voilà, récemment, j'ai fait le DVD du, voilà, le Metal Gear, la rétrospective de Metal Gear, voilà, il y en a plein, les fameuses rétrospectives de Nintendo. Voilà, comme ça vous avez des petits visuels. Mais tout, c'est toujours le même principe. Et il y en a qui m'avaient demandé comment ils pouvaient faire. Donc du coup, vous pouvez récupérer les images, etc. sur YouTube. Ou au pire, je vous fais un petit zip, vous me le mettez dans les commentaires. Et je verrai bien avec les images. Le programme, il est gratuit. Je vous mettrai le lien du site dans la description. Voilà, donc voilà, c'est parti. Voilà, vous voyez mon magnifique écran. DVD Stealer, DVD Styler, comme vous voulez. Donc on va faire un nouveau projet. Bon, souvent quand on ouvre le programme, voilà, il va vous demander nouveau projet, charger un projet, etc. Donc alors ici, voilà, je laisse de base. Alors à savoir que les vidéos Padawam ou autres vidéos YouTube, voilà, si je voudrais faire des vidéos, des DVD avec mes vidéos à moi, ou comme voilà, il y a plein de vidéos sur YouTube que moi je fais mes petits DVD perso. Il n'y a pas que Padawam, les gars. Mais à savoir que si la vidéo est en HD 720 ou 1080p, la conversion va se remettre en format DVD, c'est-à-dire, attendez ici, voilà, en 720x576, hein, donc c'est le format DVD, mais la qualité est toujours nickelou. Moi je regarde ça via ma 360 ou via mon lecteur DVD, voilà, sur la télé HD, et franchement c'est nickelou. Donc le libellé du disque, bah voilà, c'est le nom du titre du disque, voilà, vous mettez ce que vous voulez, hein, on peut mettre genre, on va mettre bon plan, voilà, puisque on va faire un petit bon, on va refaire un petit bon plan, peut-être qu'il sera plus beau que l'image que je vous ai montré. Donc voilà, on va mettre bon plan, voilà, vous pouvez créer un DVD neuf, hein, voilà, si vous avez des DVD 8,5 Go, vous pourrez mettre plus de quantité dessus, à savoir qu'on peut mettre ce qu'on veut, mais plus on va mettre, et plus ça va compresser. Donc moi, je me limite souvent à 3h, 3h30, maximum sur un DVD de 4,7 Go. Voilà, alors le débit audio, je laisse toujours en 192. Le post-commentaire, appel au dernier menu, je sais pas ça sert à quoi en fait, ça n'a pas trop d'importance, mais je mets toujours appel au menu principal. Je pense que c'est quand on remet le DVD dans le lecteur, s'il a mémorisé l'emplacement ou un truc comme ça, ben, il revient au menu principal. Mais je suis pas sûr, voilà, c'est qu'un détail, on s'en bat les couilles. Alors évidemment, le format PAL, bon maintenant si vous êtes en Amérique ou autre, vous pouvez choisir le format NTSC bien évidemment, mais là c'est du 720x480, du coup ça va encore plus écraser le bordel. Et en proportion, voilà, 16/9, et pour le format audio, je laisse toujours AC3, voilà, c'est mieux que du MP2, enfin le MP2 je m'en suis jamais trop servi, ça a toujours été du MP3, du OGG ou alors de l'AC3. Voilà, donc on fait OK, valider. Le programme va évidemment vous proposer, voilà, regardez des visuels de Noël, voilà, il y a plein de trucs, hein, regardez, basique, Disney, Christmas, voilà, la nature, les saisons, voilà, on s'en bat les couilles. Souvent, bah, soit je prends le fond bleu, ou alors vous cliquez directement non modèle, voilà, et vous allez voir ce qu'il y a là derrière moi, en fait, l'écran noir. Mais par exemple, voilà, on va prendre, voilà, un petit modèle, le fond bleu, là, tranquillou, voilà, je fais un double clic, voilà, où on a, voilà, en fait, tout est pré-programmé. Et c'est pour ça que je préfère partir d'un truc tout noir à la limite, mais bon, voilà. Puisque arrivé là, en fait, moi, je delete. Voilà, ça, c'est votre page principale. Et alors, ici, en dessous, vous avez menu 2, qui est le... Voilà, il y a des pages faites par tranche de 6 vignettes. Enfin, on peut mettre des pages à l'infini si vous faites tous des clips musicaux de 3 minutes et que vous voulez faire un DVD avec 60 pages de menu comme ça, ben, vous pouvez le faire, voilà. Mais voilà, le plus simple, voilà. Donc, je me mets sur le menu numéro 1. Et alors ici, vous faites, vous voyez, il y a ajouter un fichier. Je fais ajouter un fichier.
Alors regardez, hein, ici j'ai attendez, annulé. Voilà, j'ai un dossier où ce que je vous montrais, voilà, j'ai toutes des images de Padawan, c'est tout ce que j'ai récupéré sur internet, etc. Et de l'autre côté, vous avez les vidéos du bon plan. Alors mon DVD de base, ce que j'avais fait, c'est que voilà, il y a l'épisode 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et alors après, il y a un making of du numéro 3 et un making of de l'épisode 5. Donc je l'ai fait en deux pages, hein. C'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là pour vous montrer en vidéo. Donc, Davai Dice Theater. On fait ajouter. Ah oui, il a déjà été dedans. Ah, ajouter un fichier. Alors, attendez, parce que je dois retrouver le bordel qui est quelque part sur le bureau. Voilà, bon plan, il y avait un dossier direct. Alors, donc je prends les. Alors, moi, je les ajoute un par un. Je pense qu'on peut les sélectionner tous. Voilà, mais pour l'ordre, etc., voilà, je vais prendre le premier. À savoir, voilà, ceux qui connaissent Padawan, il est marqué Bibix Reportage parce que les deux premiers épisodes n'étaient disponibles que sur Dailymotion à l'époque. Et c'était une émission de Bibix, voilà, qui a été reprise après dans les Padawan pour le bon plan 3, 4, 5 et 6. Donc je fais ajouter le premier. Voilà, donc il ajoute le fichier tranquillou. Vous voyez, il s'ajoute ici en bas. Et en même temps, voilà, il a mis une petite vignette voilà, dans le menu chapitrage. Mais je me remets toujours sur l'accueil parce que j'ai déjà eu des conneries de bugs. Donc voilà, j'ajoute le deuxième. Hop, importation. Merde, j'ai fait ajouter fichier quoi. Fichier comme chapitre. Non, c'est pour ça que je clique sur la petite flèche et pas sur le fichier. Voilà. Donc on ajoute le numéro 3. Voilà, on ajoute le numéro 4. On ajoute le numéro 5. Et on ajoute le numéro 6. Voilà, donc j'ajoute juste cela pour le moment. Alors voilà, ici on a la page d'accueil. Alors vous voyez ici, il y a les thèmes sur le côté. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire un petit clic droit ici, hein, c'est le plus simple. Ajouter par exemple une image. Attendez, comment il s'appelle ce dossier-là ? Image Padawan, parce que c'est le foutoir hein, dans mon PC. Voilà, image Padawan, où il y a toutes mes fameuses images. Et alors j'avais mis la photo sur mon DVD, c'était cette photo-ci. Alors attendez, j'ai peut-être un format 16:9. Non, c'est ce format-là. Voilà, donc il m'ajoute la petite photo tranquillou, où vous pouvez l'incliner par exemple, hein, voilà. Vous pouvez l'agrandir, la rétrécir, etc., etc. Alors par contre, souvent, ouais, je mets un fond blanc derrière. Hein, voilà, c'est un peu plus stylé. Alors, vous voyez, ici, il y a un espèce de petit rebord. Vous voyez le petit rebord un peu plus foncé. Vous voyez. En fait, selon les lecteurs DVD, selon dans quoi vous allez lire le DVD, genre, si je le mets dans mon lecteur DVD, bon, qui est quand même sur ma télé HD, on va dire que le lecteur DVD, de base, il crop un petit peu les bords, quoi. Et du coup, ben, c'est les parties plus claires, je ne les vois pas. Tandis que si je mets le même DVD dans ma Xbox 360, où lui lit vraiment tout, ben là, je vois vraiment au maximum. Donc voilà, genre, on va mettre l'image comme ça. Vous la mettez un peu comme vous voulez. Vous pouvez faire un clic droit propriété pour changer les dimensions, voilà, conserver les proportions, etc., etc. Donc voilà, j'ajoute ma petite photo, tranquillou. Après, j'avais même mis un logo Padawan, où je ne sais plus trop comment je l'avais fait. Ouais, j'avais marqué bon plan, j'avais ajouté un texte bon plan. Après, vous pouvez faire un logo, ceux qui créent des logos, etc. Mais voilà, je fais ajouter un petit texte. Voilà, on va marquer bon plan. Voilà, c'est bon. J'avais peut-être mis un point d'exclamation, enfin, je sais pas. Bon plan, voilà, il vous met le petit texte bon plan. Là, évidemment, vous pouvez faire un clic droit. Propriété, donc là c'est tout l'ensemble. Donc vous avez bon plan avec la police. Voilà, donc vous pouvez sélectionner les caractères, etc., etc. Si ça charge. Bon, je suis en train de capturer l'écran en même temps. Alors souvent j'utilise maintenant, enfin depuis les dernières versions et tout, la police autonome, parce qu'elle est stylée, ou alors Averia, mais elle est un petit peu plus fine la Averia. Celle-là elle passe en moyen ou en gras, après ça dépend, certains caractères, je vais la laisser en normal. Et on va le mettre en 36 à mon avis, voilà. Alors la couleur ici, ça sert à rien. Si vous sélectionnez la couleur là, ça fait rien. Voilà, je vais vous le dire pourquoi après. Regardez, je fais OK. Voilà, il met du temps en fait, parce que vraiment je suis en train de capturer l'écran et ça prend du temps.
Donc on peut le faire tourner. Évidemment là si je l'agrandis, voilà la résolution, la police est mise à 36, donc ça reste à 36. Alors, attendez, des fois, voilà, il faut la flèche, hein, genre voilà, je peux l'agrandir comme ça. On va le mettre. Alors la couleur, en fait, voilà, vous avez couleur de remplissage. Et en fait, elle se sélectionne ici. Alors je vais mettre jaune. Genre couleur de contour, je vais mettre noir. Et largeur du contour, je vais mettre 1, parce qu'après c'est dégueulasse. Par contre, je vais retourner ici, je vais mettre 48, je pense que c'est mieux. Ok. Donc après, voilà, en fait, créez votre imagination, récupérez les vidéos dans votre PC, etc., etc. Alors souvent, je ne mets pas, comme les petits screens que j'ai partagés, etc., je ne mets pas genre le titre bon plan, je ne vais pas le mettre ici, par exemple. Je vais souvent le mettre dans l'encadré, un peu plus foncé, comme ça, selon le lecteur où je lis, ben, je sais que c'est... Je sais qu'on verra tout à l'écran, quoi. Bon, alors, il était pas, c'était pas trop cette police-là, mais bon, c'est pas... ce n'est pas grave, hein, on va... Voilà, c'est juste pour vous montrer. Alors, après, vous pouvez ajouter du texte. En, voilà. Maintenant, ce que je fais le plus simple, c'est... Je vais dans les boutons, parce que les boutons, c'est stylé. Ah, ben non, voilà, le texte que j'avais ajouté sur les premiers visuels de Padawan, voilà, vous voyez, hein, il y avait le texte et un petit carré noir devant. En fait, c'est un bouton ici, en fait. Voilà, donc on le prend, on le glisse. Ouais, et ça, c'est toujours la première fois. Merde, l'enfoiré. Il a pris le titre du nom de la vidéo, en fait. Mais bon, c'est pas grave, on va... Voilà, et là, genre, voilà, souvent, moi, mes menus, j'ai lancé l'intégrale du DVD, ou alors choisir l'épisode. Voilà, on va pas dire le chapitre, on va dire l'épisode. Donc là, je vais mettre lecture intégrale, en fait. Au début, je me dis, ouais, je mets play all ou quoi, tu sais, voilà, style anglais ou quoi. Mais voilà, lecture intégrale, ça fait bien français. Et j'ai laissé ça sur toutes mes versions, en fait. Donc voilà, je mets lecture intégrale. Même chose ici, alors on va le mettre comme ça. Ah ouais, là, du coup, c'est le bouton. C'est le bouton, bon, on va le laisser comme ça. 26, on va voir ce que ça donne. Il met vraiment du temps à charger. Par contre, il était me le foutre, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a... Ah, voilà. Par contre, il m'a pas mis un bouton avec un point devant, ce n'est pas... C'est pas sérieux, tout ça. Ou alors le point est transparent, attendez. Hein. Parce que j'utilise plus ces petits textes-là, maintenant je mets carrément un bouton, là, comme vous voyez, menu, texte. C'est beaucoup plus simple. Ah oui, voilà, c'est ici, couleur de l'encadrement. En fait, ici, ça va être le petit point, justement, que vous voyez ici. Enfin, je vous montre avec mon doigt, mais là, avec le pointeur de la souris. Le petit bouton rouge que vous voyez devant le mot bouton. En fait, il y a trois couleurs. Il y a la couleur normale, donc quand vous lancez le DVD sur le menu. Et là, ben, il n'y a pas de couleur, c'est transparent. Donc, c'est pour ça qu'on le voit. Donc là, je vais mettre du noir. Voilà, on va mettre un petit bouton en noir. Alors, si vous le surlignez, en passant votre télécommande, etc., dans le menu, voilà, je pense que j'ai laissé rouge pour le truc. Et après, quand il est sélectionné, donc au moment où vous appuyez sur le OK de la télécommande, etc., et que voilà, il prend en compte qu'il est sélectionné, ben vous choisissez une couleur, et voilà, regardez, j'avais mis le bleu, il est là, parce que j'ai... Voilà, ça c'est les couleurs de base que j'ai mis sur tous mes DVD, je pense. Et donc, OK. Et voilà. Et il s'est dit, ah, il n'arrive pas, mais c'est à cause de la capture, ça enregistre l'écran en le double de 1080p, parce que j'enregistre l'écran complet, et voilà. Mais j'ai fait des tests avec mon boîtier de capture, pour plus d'ergonomie, voilà, pour genre des GTA RP, tout des trucs comme ça, des jeux PC, on va dire, et voilà, prochainement, ce sera nickelou. Donc, vous avez le petit, du coup, ça fait plus beau si, genre, je mettrais lecture intégrale, le texte en noir, hein, voilà, couleur du texte, ici, en noir. Voilà, donc, on peut faire la petite lecture intégrale, et alors, le plus simple, moi, ce que je fais, voilà, je fais ça, je fais cet RLC, copier, cet RLV, voilà, ils en collent un deuxième, comme ça, on se casse pas les couilles. On va faire propriété, on va faire genre, hop, choisir épisode. Avec S, voilà, en noir, hop, même chose. Comme ça, le surlignement, tout est déjà pris en fait. Tout, la police et tout est déjà bon. Voilà, choisir les épisodes. Donc voilà, on a un petit menu tranquillou. Alors, vous pouvez aussi, regardez si je réduis ça, vous pouvez prendre, bon, je sais que je l'avais pas mis à l'époque, mais... elle est où? Je cherche ce logo. Ah oui, non, il est dans mes dossiers de sidecast. Voilà, genre le. Voilà, vous pouvez glisser une image dessus. Quoi. Voilà, c'est, vous pouvez la glisser pour ne pas passer par les menus. Voilà, genre. Voilà, vous pouvez faire créer toute votre imagination. Hein, voilà. Ici, je dois faire arranger. Voilà, hein, ramener au premier plan. Comme ça, il repasse par devant. Ça, c'est comme tous les programmes de photos. Donc là, je fais vraiment un truc à l'arrache, hein, les gars. Ah ouais, là c'est vraiment à l'arrache parce que du coup, ouais, faut mettre la manette plus petite.
Parce que t'imagines, voilà, celui qui met ça sur sa télé de salon, c'est immense, hein, les gars. Bah, c'est un peu plus grand que ce que vous voyez, puisque là, il y a tout le contour blanc. Allez, fais le pivoter. Oui, il veut pas me mettre là. Voilà. Voilà, on va le laisser comme ça, à l'arrache, hein, voilà. Voilà, alors on va le mettre comme ça, je m'en bats les couilles, faites comme vous voulez, vous avez vu, mon DVD original n'est pas trop comme ça. Choix des épisodes, et voilà, on va dire qu'on va le laisser comme ça. On va aller dans le menu 2, alors on va passer par le menu 2, voilà, deuxième étape. Menu 2, donc il a pris mes 6 vidéos, voilà, il a mis les 6 vidéos. S'il y en a plus que 6, il va créer une seconde page. Attendez, parce que je réfléchis, parce que comme je reviens au menu, je vais faire ajouter fichier. Je vais ajouter le making of numéro 1 pour voir s'il crée déjà la page ou pas. Voilà, je n'étais pas sûr. Sauf que je veux pas qu'il crée ça, moi. Non, je ne veux pas qu'il crée ça. Attendez, on va la supprimer. Donc voilà, on n'a rien dit. Non, voilà, on va faire comme ça. Voilà, donc on arrive ici. Donc même chose, là on peut prendre une petite image de fond. Je sais plus trop qu'est-ce que j'avais mis ce truc là en fait, mais en moins de couleurs. Bon, à mon avis je l'ai fait par le programme, hein, vous voyez, le mec à l'arrache qui sait plus. Voilà, on glisse la petite photo, regardez, elle se met déjà en arrière-plan. Alors là par exemple vous voyez le... Attendez, hein, hop, on va la rediminuer un petit peu. Là vous voyez vraiment par exemple la différence entre le fond qui est bien noir et le fond qui est gris, donc c'est ce qu'on verra pas forcément sur tous les DVD. Mais bon voilà, je le centre comme ça, hop, c'est nickelou. Vous avez les petites flèches, hein, voilà, c'est passer à une page suivante et ou pas passer à une page suivante. Donc, là il n'y a pas de page suivante, il n'y a rien, donc je les delete. Voilà, vous avez le petit retour pour revenir genre au menu principal, que je supprime aussi, voilà, bas les couilles. Donc voilà, on a mis une image de fond. Alors vous pouvez évidemment déplacer les vignettes. Vous pouvez les recentrer à votre taille, hein, voilà, vous pouvez mettre 15 vignettes sur la même page. Bon alors attendez, on va prendre une petite... Je pense que j'en avais mis 2 en haut et 4 en bas ou un truc comme ça. Donc regardez, allez, on va prendre cette taille-là, hein, voilà. Après, des fois 16/9, comme les vidéos sont 16/9, c'est cool pour les vignettes, puisque évidemment on peut remplacer l'image de prévisualisation par une vignette. Alors... Voilà, par exemple, voilà, je vais le mettre comme ça, ici, voilà, c'est plus ou moins centré. Alors, je fais propriété, évidemment, regardez, voilà, je vois la taille, 151 sur 90. Ben, regardez, je vais mettre 150 sur 90, voilà. Comme ça, je vais sur les autres, je mets, hop, 150 sur 90. Voilà, donc on a les petites vignettes. Alors, ça, c'est la première. Après, vous les mettez dans l'ordre que vous vouliez. Ça, c'est la deuxième, voilà, je vais la mettre ici. Je pense que j'avais fait plus ou moins comme ça sur mon DVD. Alors attendez, parce que l'image là n'est plus la même. Ça c'est la vignette numéro 4, ok. Ça c'est la numéro 5. Et ça c'est la numéro 6. Ah ouais, ok, attendez, il a laissé mon titre numéro 7 que j'ai ajouté juste avant. Donc attendez, voilà, je vais le supprimer. Et celui-là, alors, attendez, propriété. Bah, titre 3, voilà, il le marque, c'est le titre 3. Mais il n'a pas pris le même visuel. Voilà, c'est pas grave. Bon, j'ai peut-être fait les vignettes un peu trop grandes, du coup. On va les coller un peu plus, c'est pas grave. Je me dis, je vais faire une toute petite vidéo pour vous montrer ça, et au final, c'est une vidéo qui va durer 1000 ans. Voilà, on va les remonter un peu. Après, même chose, hein, voilà, là, ils sont pas forcément droits, mais en faisant propriété, vous pouvez voir la longueur X et Y, voilà, pour tous les centrer convenablement. Après, ce que je fais, c'est que je fais ajouter un petit texte. Voilà, pour mettre le nom des épisodes. Alors ici, je ne vais pas passer mon temps à écrire le titre comme j'ai fait sur mes DVD. Voilà, je vais mettre épisode 1. Voilà, donc je fais le petit truc. Comme c'est un fond assez sombre, un noir, voilà, je vais le mettre en jaune, pas forcément de bordure. On va les mettre... Allez, le petit chargement. Plus la vidéo dure et plus ça prend du temps. Hein. En petite Averia gras, voilà, ça peut être bien, mais je pense que là, il faut le mettre beaucoup plus petit. Je pense que c'est du 16 ou du 18, je ne sais plus. Voilà, et genre, bah, ici en dessous, hein, voilà, on met épisode 1. Alors sur mes DVD, bah, j'avais tapé bon plan 1, boutique, tac, tac. Et en dessous de chaque vignette, voilà, j'avais mis les petits titres. Donc je fais un petit copier-coller, voilà, comme ça j'en colle 6.
Eux, je ne leur fais pas d'intersection. Enfin, je leur fais pas faire. Il n'y a pas d'interférence. Voilà, vous mettez le titre comme vous voulez. Voilà. Pour le bien de cette vidéo, j'en ai collé un trop. Je ne vais même pas les renommer. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Sinon, après, ben voilà, c'est comme de l'autre côté. Hein, vous faites propriété. Voilà, et vous marquez épisode 2, par exemple. Hein, voilà. Vous mettez vos trucs comme ça. Alors, troisième ou suivante étape, comme vous voulez. Le mode de la vignette. Donc quand vous arrivez là, en fait, vous, avec votre télécommande, vous allez automatiquement pouvoir cliquer de vignette en vignette. Voilà. Et vous avez un bon bord blanc dégueulasse. Et voilà, couleur de bordure ici en bas, vous voyez ce qu'il y a, le bleu ciel et le bleu foncé. En fait, c'est la même chose que le titre qu'on a fait sur l'autre côté. Ou genre, voilà, genre, vous mettez le contour de la vignette en noir. Le contour de la, enfin de la vignette, oui, de la vignette surlignée, donc quand vous allez passer votre curseur dessus, ou votre flèche de votre télécommande, on s'en fout, donc quand vous lisez votre DVD, là, ben, je le mets en rouge. Voilà, comme ça, on les verra tous en noir. Enfin, les encadrés seront noirs, et celui qu'on passe dessus sera en rouge. Et au moment où on le sélectionne, bon, ça dure une seconde, tu vois la couleur, et puis hop, ça démarre la vidéo. Voilà, on le met en bleu, mais voilà, je garde ces couleurs-là de base, et voilà, si je fais OK, voilà, la vignette est noire, tranquillou. Donc ça, il faut le faire à chaque vignette, évidemment. Voilà, je vais le mettre noir, le surlignement, etc. Maintenant, vous pouvez mettre du jaune, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Voilà, on va en mettre une en jaune, vous pouvez faire des DVD multicolores, voilà. Mais après, ça devient le bordel. Enfin, voilà, mettez tout en noir ou en blanc, ou une couleur unique, une couleur pour le surlignement et une couleur pour le... Voilà, donc je remets noir, voilà. Le surlignement en rouge, voilà. Et la sélection en bleu. Maintenant, si vous voulez mettre du jaune ou un truc comme ça, ben voilà. Donc voilà, alors petite vignette, ce qui est cool avec les vignettes. Donc la première vidéo, vous faites clic droit, propriété. Vous avez vidéo ici, vous voyez vidéo, trois petits points. Vous pouvez sélectionner, voilà, l'endroit de la vidéo. Voilà, c'est l'ancien mode YouTube, on ne pouvait pas forcément faire... À l'époque, il n'y a pas de vignette sur YouTube, les gars. Et d'ailleurs, même les premières vidéos de Padawam n'avaient pas de vignette. Donc... soit j'ai fait une vignette moi-même, ou alors ben, c'est plus précis, vous lancez la vidéo même sur votre PC, vous regardez le timecode, et vous souvent il y a le titre de l'épisode qui arrive, hein, voilà, bon plan 1, je sais qu'il y a bon plan 1 quelque part, voilà, maintenant c'est peut-être à 10 secondes, c'est peut-être à 20 secondes, parce qu'ici c'est pas précis du tout. Voilà, genre Bibix reportage, hein, mais bon, la vignette doit être un petit peu plus loin, donc vous pouvez avancer à la seconde ou à la microseconde. Donc voilà, je fais OK, et évidemment, voilà, on a ça qui arrive en visuel de vignette, maintenant en propriété, enfin, je vais le faire sur une autre. Vous voyez ici, c'est la vignette, l'image juste après ce qu'on voit, la musique, le crédit musical, en fait, l'image, elle est juste après, mais voilà, vous pouvez faire image aussi, voilà, vous parcourir une image, et vous allez chercher une image quelque part. Attendez, je cherche mon dossier, il est sur mon bureau, voilà, je l'ai vu tout à l'heure, enfin on y a été tout à l'heure, image Padawam, voilà, bon j'ai pas de vignette du coup pour cette vidéo là, mais je vous montre avec une image, comme là par exemple, j'avais fait une vignette moi-même, vous voyez, pour le 100% fini de Smash Bros. De DG, bon ça c'est plus loin dans la saison 2, bon ben voilà, je m'en fous, on met cette vignette là, c'est pour vous montrer le test, hein, voilà, ouvrir, OK, et vous avez l'image qui apparaît en vignette, et c'est ça que je vous dis que les vignettes c'est bien, enfin c'est mieux de les mettre un petit peu 16/9, vous voyez, souvent je charge une image, voilà, comme ça on est sûr de tout voir, voilà, comme ça, et après ben, je vais, bon là elles sont un peu trop grandes par rapport aux 4 du bas, mais voilà, je pourrais les mettre des vignettes de cette taille là, après regarder la taille et mettre toutes les vignettes au même endroit. Donc voilà, pour cette étape-là, à vous de faire créer votre imagination. Et après, bien sûr, vous pouvez, regardez si je le réduis, je sais que ça, je les avais mis quelque part, c'était sur la page Making Up, mais vous pouvez, voilà, glisser des petites images, rajouter plein de petits trucs, hein, voilà. Voilà, je sais que les trois images ici, par exemple, je les avais mis sur mon DVD original à moi, mais dans la partie Making Up, ben, voilà, comme ça, je vous le montre ici. Et c'était la troisième, c'était la petite image de Sidou, de mon ami Sid. Ben voilà, à l'arrache. Voilà, à l'arrache, vous pouvez mettre des vignettes, vous mettez tout ce que vous voulez. Évidemment, là, il n'y aura que les vidéos qui vont être sélectionnables via la télécommande, sauf si vous mettez des raccourcis, etc., etc.
Donc arrivé là, ce qu'on peut faire aussi, parce que je l'ai supprimé, mais moi ce que je prends c'est, attendez, la flèche ici, voilà, la flèche texte avant, ou voilà, je la glisse, voilà, une petite flèche des familles. Bon alors, sur mes DVD évidemment, regardez, je vais remonter ça, je vais pas tout, voilà, je fais ça à l'arrache, hein. Mais voilà, sur le bas, je mets une petite flèche comme ça ici, voilà, de la taille que vous voulez. Alors même chose, propriété, vous avez les contours ici, hein, là c'est le texte, c'est la couleur du texte, vous voyez le mot texte qui est marqué, vous avez la couleur de la puce, donc c'est la couleur du, le contour de la flèche, donc ça c'est cool en noir, le texte en noir, alors le texte surligné, là on va mettre du rouge, et le texte sélectionné, je vais le mettre en bleu. Et alors le texte, voilà le texte qui est là, ben souvent je mets retour. Voilà, maintenant vous pouvez mettre retour au menu principal si vous avez de la place, hein, vous faites ce que vous voulez. Voilà, je fais ma petite flèche retour qui est là, tranquillou. Alors on revient au l'écran principal. Alors vous avez la lecture intégrale. Donc maintenant je pourrais mettre un raccourci sur ça, un raccourci sur tout ce qu'on met. Mais voilà, on a lecture intégrale, donc là je dis je vais mettre un point pour que le lecteur détecte que c'est une case à cliquer ou un truc comme ça. Donc je vais sur lecture intégrale, je fais clic droit, propriété. Et alors ici, voilà, vous avez tout au-dessus, parce qu'en dessous vous avez les couleurs et tout, blablabla. Vous avez action, aller au groupe 1, titre 1, il met. Donc si je clique là, il va aller au groupe 1, titre 1. Donc si vous regardez ici tout en bas, là, les carrés gris, ben, le groupe 1, titre 1, en fait, c'est, il revient là. Groupe 1, là voilà, le deuxième carré ici, je cherchais. Où il y a les 6 vidéos, vous voyez, il est marqué en gris, groupe, titre 1. Et en fait, il va aller là, point. Et ce que je fais, donc il va aller lire le titre numéro 1. Et après, ce que je fais, en fait, comme c'est une lecture intégrale, mon bouton, je fais lire tous les titres. Et alors, single titre, til 7, je mets all titre. Voilà, donc là, si vous cliquez sur le bouton, il va passer au groupe 1, titre 1, je monte toujours avec mes doigts, au groupe 1, titre 1 en gris, et il va lire les 6 titres. Voilà, il y a 6 titres, il va lire les 6 titres. Ok. Donc voilà, le bouton là, il est fait. Alors, vous avez choisir épisode. Donc la même chose, je fais un clic droit, propriété. Donc comme j'ai fait un copier-coller du bouton, vous voyez les corps sur groupe 1, titre 1. Mais bon, moi là, je veux qu'il accède, vous voyez, menu VMG M, menu 2. Donc je vais VMGM menu 2, voilà, ici. Et pas lire de vidéo, rien, voilà. Donc accéder à ce menu-là. Voilà, donc je fais OK. Donc si je clique ici, il va lire les 6 titres d'un coup. Si je clique ici, il va arriver là. Voilà. Alors les cases des vidéos, ben, elles sont faites automatiquement. Vous voyez, propriété. Si je clique sur celle-là, il va lire le titre 1. Maintenant, vous pouvez changer, vous voyez, si vous... Voilà, vous pouvez, tu cliques sur le 1, il va lire le 3, bon, ça sert à rien. C'est mis de base, comme on a ajouté les titres dans l'ordre, comme j'ai fait au début, il va les prendre. Hein. Vous voyez, celui-ci, ça va être automatiquement le titre numéro 2, le titre numéro 3, vous voyez, etc., etc. Ça, c'est automatique. Et alors, la petite flèche retour, même chose, en fait, que l'autre menu, je fais propriété. Et alors, ben, je fais accéder au VGMG. Menu 1. Voilà, ok. Donc en cliquant sur retour, il reviendra ici. Alors, voilà, ça c'est déjà la partie principale de quasi tous les DVD. À savoir qu'il y a des DVD comme je vous ai mis, là je vous le remonte, le menu de Metal Gear, voilà, la rétrospective Metal Gear. Il n'y a qu'une vidéo sur le DVD. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une page comme celle-là. Et il n'y a pas de lecture intégrale, ni de choisir épisode, machin. Il y a directement lancer la vidéo. Et il n'y a pas de menu 2 ni rien du tout. Je les ai supprimés. Et quand je fais ça, ben, propriété, je fais lire titre 1. Et voilà, il n'y a qu'un titre, donc il n'y a pas besoin de mettre all titre 7 et compagnie. Donc arrivé ici. Voilà, c'est bien ici que je dois cliquer, je vérifie. Si je veux créer une deuxième page, parce que vous avez vu, si j'ajoutais une septième vidéo, là, ce que je vous ai dit, je le ferai après. Il m'a ajouté un menu numéro 3. Et c'est pas ce que je veux faire pour le but ici. Donc vous venez ici en bas, vous faites ajouter un VGMG menu. Voilà. Non, c'est pas ça. Merde. Supprimer. Ajouter un groupe titre. Voilà, c'est ça que j'avais fait. Ajouter un groupe titre.
Donc voilà, il nous remet un nouveau groupe menu 1, comme vous voyez. Alors on va repartir sur arrière-plan, parce que quand c'est tout noir, c'est tout dégueulasse, enfin, tu vois pas grand-chose. Voilà, c'est mieux en blanc, et en plus, ça éclaire la caméra en même temps. Voilà, donc je crée un groupe numéro 2, menu 1. Alors sur ce menu-là, je sais plus trop qu'est-ce que j'avais mis. J'avais mis la même image, je pense. Mais bon, voilà, on va remettre la même image. J'avais marqué Making of dedans ou un truc comme ça. Je regarde dans mes images en petit, mais parce que certaines images, je les ai prises dans Photoshop par exemple. J'ai remis des petits trucs par-dessus avant de les importer dans le programme. Donc voilà, faites recourir votre imagination. Voilà, je mets ça à l'arrache. Hein, voilà, celui qui a une belle télé, un bon lecteur qui lit tous les bords, il verra tout. Voilà, je vais remettre ça. Et alors normalement ici, il y a la luminosité normalement. Ah voilà, l'opacité. Voilà, genre je peux le mettre à 50% d'opacité. Voilà, comme ça il est plus clair. Et les petites lignes que vous voyez dedans, c'est parce que c'est par rapport au thème de derrière que j'ai mis. Que normalement, alors j'ai un petit trou ici, je peux le supprimer, je pense, non? Le background, en fait, ouais, si je vais sur le background, donc en fait, vous déplacez votre image, vous allez sur le background aussi pour par rapport au modèle, vous pouvez faire propriété, et voyez ici, c'est programme file, machin, c'est à l'endroit où ce que le programme est installé. Vous pouvez parcourir vous-même vos images dans tout votre PC, voilà, ben ça c'est ceux du programme. Mais donc voilà, je remets ma petite image, voilà, je l'ai mis en opacité, regardez les lignes de derrière, ben voilà, c'est stylé, hein, voilà, c'est cool, on va le laisser comme ça. Ce que je vais faire, je vais ajouter, je fais vraiment ça à l'arrache pour pas faire traîner cette vidéo. Ajouter, voilà, un petit texte, de ce que j'avais marqué Making of. Voilà, ok, en plein centre ici, on va le mettre. Le chargement. Bon, c'est un biais ce programme, ça prend pas de ressources, hein. Les gars, comme je vous dis, c'est vraiment parce que je capture l'écran en combien, c'est du, je sais pas, là, le double du 1080p pour l'affichage de l'écran, et du coup la vidéo elle va booster des gigas et des gigas. Allez, on va même le mettre comme ça, on va le mettre en 48, non, hop, ok, et couleur, voilà, couleur, on va mettre, allez, en orange, un petit orangé de la personne, hein, voilà. Bon, c'est dégueulasse, évidemment, il est plus beau sur mon rendu, mais ça, voilà, vous avez les visuels et tout, je peux vous mettre les visuels et vous pouvez les faire vous-même. Donc, je me mets sur ce menu, qui est un nouveau menu, un groupe 2, et pareil que tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les fichiers, et là, évidemment, attendez, voilà, je vais mettre le making of numéro 3, voilà, comme ça, il recrée un nouveau titre, et le making of. Par contre, il n'a pas créé le menu 2, c'est chelou, c'est pas grave. Hop, le making of du bon plan 5. Voilà, donc il a ajouté les deux vidéos, et évidemment, il n'a pas fait automatiquement le menu 2 comme là. Donc en fait, on se met ici, on fait ajouter un menu. Voilà, comme ça, on a le fameux menu numéro 2. Comme ça, voilà, si vous avez des bugs et tout par rapport aux vignettes, là on n'a même pas les vidéos. Vous voyez, il y a deux vidéos là, il n'y a pas de vignettes là. Ben voilà, comme ça, vous saurez tout faire, vous saurez faire vos DVD vous-même. Donc, le menu 2... Ah ben non, c'est moi qui suis bête. C'est moi qui suis bête, les gars. Pff, attendez, je veux faire plein de trucs en même temps. Le menu 2, faut qu'il dégage sa maman. Le menu, on le supprime. Là, je vais vous faire un triple, quadruple DVD de la mort. Donc non, voilà, on est sur un menu 1 du groupe 2. Et en fait, c'est ajouter les vignettes ici qu'il faut faire, voilà. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que... Attendez, je sais même plus comment on fait. Hein. Ajouter... Un rectangle, je crois qu'on avait fait un... Non, c'est pas un rectangle. Ou je peux la glisser là. Voilà, voilà, c'est ça, je peux la glisser là. Parce que voilà, les derniers menus que j'ai fait, j'ai plus fait de... Il n'y a que le DVD du bon plan où j'ai fait un double menu comme ça. Donc, voilà, ça me revient. Voilà, vous les glissez, les gars. Et maintenant, quand je saurai plus, j'irai voir ma propre vidéo. Donc voilà, il n'y a que deux vidéos. Hein. Bon, je les mets à l'arrache comme ça. Hein, voilà, j'ai pris la dimension 177 sur 107. Hop, on va juste mettre le contour en noir parce que c'est plus beau. Voilà, on fait un petit personnalisé. 177 sur combien? Je sais plus, sur 77, je sais plus. Voilà, non, c'était pas ça du tout, mais bon, voilà, c'est pas grave. On fait la même chose, hein, voilà, ouais, je l'ai incliné, voilà, vous pouvez l'incliner, hein, voilà, c'est un making of. On pourrait mettre les deux vignettes inclinées, voilà, vous faites tout ce que vous voulez, là je fais une saloperie dégueulasse. Comme ça, personne n'y piquera l'idée de faire un DVD tout dégueulasse de Padawan comme ça, making of. Donc voilà, même chose, putain, c'est vraiment répugnant de chez dégueulasse.
Donc vous avez les petites vignettes ajoutées, voilà, tranquillou, on les glisse. Donc même chose, propriété, le lien va, voilà, donc la vidéo elle se fait automatiquement, donc il va lancer le groupe 2 titre 1, donc regardez, je remonte un peu, groupe titre 2, titre 1, voilà, un groupe titre 2, titre 1, voilà, c'est, faut comprendre, et c'est tout. Et celui-là, bah, même chose, il va lancer le groupe titre 2, titre 2, donc groupe titre 2, titre 2, hein, voilà, faites pas des mélanges de jeux de mots. Ok, donc on va le laisser bien en blanc, bien blanc, dégueulasse. Alors on peut faire par exemple ici la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Enfin, je l'ai fait, donc je remets le bouton. Donc je vous paramètre pas les couleurs ni rien, mais on fait un propriété. Et alors lui, en cliquant retour, on veut qu'il revienne au VMGM menu 1. Donc voilà, on veut qu'il revienne vraiment ici au tout début quand je vais cliquer retour. Voilà, donc on fait OK. Et alors sur votre tout premier menu principal, ben, il faut faire un point d'accès pour arriver à cet endroit-là. Donc voilà, vous pouvez mettre un texte comme ça, vous faites un copier-coller et vous redirigez le lien. Ou alors voilà, c'est ce que je fais maintenant parce que je trouve ça stylé, je mets un bouton comme ça. Voilà, même sur les nouveaux, je mets genre lecture intégrale dans un bouton, choisir épisode. Donc vous pouvez mettre un petit bouton comme ça, tranquillou. Alors ici, je vais l'appeler... on pourrait l'appeler bonus, making of, ou voilà, hein, on va mettre bonus, voilà, c'est bonus DVD par exemple, hein, voilà. Où on a la couleur, bon après si les couleurs sont un peu chelou, hein, mais bon voilà, moi je remets mes surlignements, hein, voilà, rouge et sélectionné bleu, parce que ça passe bien en fait, ça fait pas trop mal aux yeux. Alors vous avez, donc voilà, si je suis OK, voilà, bonus DVD, bon, vous pouvez changer la police, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, voilà, un gros gras dégueulasse. Dans les boutons, mettez pas du gras dégueulasse comme je viens de faire. Parce que là, on sait lire, mais des fois, sur votre télé, ça rend plus gras, voilà. Et donc, ce qu'on fait, c'est propriété. Alors, il y a les couleurs. Vous pouvez mettre les boutons en deux couleurs. Genre, voilà, je sais pas, du orange dérivé avec du rose. Voilà, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Mais voilà, vous pouvez faire des boutons comme ça, personnalisés en deux couleurs. Et regardez, c'est stylé. J'ai pris rose-orange et c'est classe. Mais voilà, le plus important, c'est quand on va cliquer sur cette case-là. De toute façon, vous l'avez compris maintenant. Vous vous rendez au groupe 2, titre 2, enfin groupe titre 2, menu 1. Donc on cherche groupe titre 2, menu 1. Voilà. Pourquoi il marque menu racine? Oui, c'est un menu racine en fait. Voilà, groupe titre 2, menu 1, groupe titre 2, menu 1. C'est bien ça. Ok. Donc voilà, quand on cliquera sur lecture intégrale, après je revérifie 60 fois toujours mes liens, je revérifie bien avant de le graver, etc. Lecture intégrale, il va lire les 6 épisodes tout court, il va pas lire les menus, comment, il ne va pas lire les vidéos making of, voilà, c'est pour ça que je les ai mis dans un groupe titre 2, parce que sinon, si je fais une lecture intégrale, il allait lire les 8 fichiers et pas les 6. Donc une lecture intégrale, il lit les 6 fichiers. Les choisir épisode, il va venir sur ce menu là, voilà, où on peut choisir les 6 épisodes. La flèche retour ici, ben, pour revenir là. Et si on clique sur bonus DVD, hop, il arrive sur un nouveau menu ici, voilà. Maintenant, sur ce menu-là, vous pouvez mettre, vous pouvez refaire le fameux menu que j'ai supprimé là, mais refaire un menu genre lecture intégrale du making of ou choisir les épisodes du making of. Et vous voyez, on se retrouve dans des sous-menus, sous-menus, sous-menus. Mais voilà, vérifiez toujours bien les liens, actions et compagnie, voilà. Voilà, donc on va dire que c'est un DVD bien dégueulasse. Je vous ai montré les petits visuels. Si vous êtes intéressé, mettez-moi dans les commentaires, mais peut-être que ce sera déjà dans la description, parce que j'ai pas tous les fichiers, voilà, j'ai des fichiers partout dans mon PC, donc j'en ai déjà regroupé quelques-uns ici avant cette vidéo, et voilà, tout ce que moi je me sers, enfin toutes les images, comme là pour faire les visuels des DVD de Padawan. Maintenant, si vous voulez faire un DVD sur moi, les gars, je suis preneur, il n'y a pas de souci, je vous en ferai peut-être un jour, mais il n'y a pas besoin de me verser du pognon pour les faire, je ne vais pas faire des DVD pour vous, voilà, je vous montre comment les faire, justement. Donc, je peux vous mettre les petites images, etc., etc., et voilà, donc d'une fois que c'est terminé, vous cliquez sur le fameux bouton graver. Bouton 3 et bouton 4, non, attendez, il y a un problème. Ah, attendez, je vais faire ça. Ah non, ça passe, donc vraiment. Il y avait bien le... Je pense que la vidéo surpassait même d'un tout petit millimètre comme ça, hein, où était vraiment trop près les uns des autres. Hein. Donc voilà, on a détruit tout le truc pourri que j'ai fait. Donc voilà, vous avez fait le menu DVD, magie. Donc ne dépassez, ne collez pas les trucs trop près. Vous cliquez sur le bouton graver. Voilà.
Alors moi, ce que je fais personnellement, vous pouvez graver via le logiciel et tout. Moi, ce que je fais, je crée une image ISO. Et après, ben, je grave l'ISO avec Nero ou avec un autre logiciel. Pour être sûr, enfin, déjà de base, je fais l'ISO. Comme ça, après, j'ouvre l'ISO dans VLC, par exemple. Hein, voilà, j'ouvre via le lecteur virtuel. Voilà, vous ouvrez votre ISO, vous lancez le DVD virtuellement dans votre... dans votre PC pour voir si les liens sont bons, si tout fonctionne plus ou moins bien. Et après, voilà, je grave l'ISO sur un DVD et let's go. Donc, vous avez le dossier temporaire. Hein, voilà, il met dans app data, c'est dans votre fichier local. Vous pouvez même faire un aperçu par VLC Media, alors que je ne savais même pas. C'est un petit aperçu comme genre les montages de vidéos où ça va... Voilà, ça sert à rien. Si vous voulez voir l'aperçu en codage en temps réel... Moi le dossier temporaire, ben, je le laisse de base. De toute façon, quand il a fini l'ISO ou de graver le DVD, il vous demande si vous voulez supprimer les temporaires, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc ici je fais créer une image ISO, ou ici à graver, voilà, je fais créer une image ISO, donc parcourir. Voilà, regardez ici, j'ai déjà toutes mes images, vous voyez, Padawan bon plan, juin 2017, Padawan DVD débat, Making of JDG, la saison 2 que je viens de faire, voilà, DVD 1, 2, 3, 4. Padawan saison 1, voilà le sitecast, voilà j'enregistre mes ISO ici. Donc je vais mettre test vidéo parce que je vais l'annuler de toute façon, je vais pas le laisser encoder, mais c'est pour vous montrer. Voilà, test vidéo, hop, enregistré. Voilà, il marque que j'ai 698 Go de libre et qu'il en faut 4 Go 4. C'est normal, c'est un DVD de 4 Go 4. Si vous mettez des 8 Go 5, bah évidemment il faudra 8 Go 5. Et après vous faites démarrer. Voilà, donc vous allez avoir des petites lignes de code qui passent, voilà, tranquillement, une petite barre qui avance. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. Là, il génère les menus, il gère les trucs, et puis en fait, ça encode la vidéo. Ça compresse un peu la qualité. Et d'une fois qu'il a fini, vous avez un petit message ici en dessous de transcoding qui va arriver, et il sera marqué « complète ». Et ici, à la place de « annuler », il sera marqué « terminé ». Et voilà, votre fichier ISO est enregistré à l'endroit où ce que vous voulez. Donc là, voilà, je vais l'annuler. Fermer. Et même chose, bah ici, voilà, vous pouvez faire fichier, enregistrer sous. Ou ici, bah voilà, j'ai les projets, voilà, DVD, Padawan et tout. Mais quand je les ouvre, les images et les vidéos ne seront plus aux mêmes emplacements. Donc du coup, il y a des conflits dans mes fichiers. Mais voilà, je marquais test vidéo. Voilà, et comme ça, on a le projet enregistré pour le continuer le lendemain ou l'accélérer et tout ça. Donc bah voilà les amis, la vidéo était un petit peu longue, mais comme ça, vous avez vu les menus, les sous-menus, et etc., etc. S'il y a quelque chose d'autre que j'ai peut-être oublié de mentionner par rapport au menu DVD, dites-le moi en commentaire et je regarderai pour vous mettre quelques logos, genre voilà le petit logo de la manette de Padawan, voilà, ou quelques logos qu'on ne trouve pas forcément sur YouTube ou que j'ai peut-être encore dans mon PC. Voilà, je vous ferai un petit WinZip, un petit WinRAR dans la description et voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de gaming sûrement. Là c'était une petite exception et je vous ferai une petite vidéo montage parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont demandé. Sur mon logiciel de montage, donc c'est Magix Video Deluxe Classic Pro, enfin peu importe la version que vous achetez. Voilà, je vous ferai quelques petits tutos, on va dire, pour vous montrer un petit peu comment je peux faire quelques petits effets, genre un petit dédoublement d'image, vous montrer un petit peu le fond vert, l'accélération d'image aussi, parce que ça on m'a demandé comment je faisais pour faire accélérer les images ou faire des ralentis à la ralenti comme ça. J'aurais dû le faire au montage du coup là, mais voilà, on n'a pas les couilles, j'ai pas le temps. Donc je vous dis à très bientôt les amis, et ciao ciao, faites des DVD de vos youtubeurs préférés. Ciao ciao.